Et bien salut à tous, c'est Vorok, c'est Fer, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les potos, je vais vous présenter mon casier. Comme vous devez le savoir, bientôt il y aura la saison 7 de Fortnite. Donc pour la saison 7 de Fortnite, j'achèterai sûrement le pass de combat et j'en ferai une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc il y aura plus d'objets, de skins dans le casier. Voilà les potos, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon casier, donc c'est parti. Donc là pour l'instant il n'y a rien, hein. Il y a juste les trucs de base, hein. Donc, en tenue, nous avons le tirailleur bleu, épique tenue, goûter à la plus authentique des victoires, voilà. Donc tout ce que j'ai, tout ce que je vais vous présenter dans mon casier, c'est des trucs gratuits que j'ai eu et des trucs que j'ai gagné en jouant au jeu. Donc tirailleur bleu et... rare tenue, chef de l'équipe bleue, guidez votre section vers la victoire. Ce sont deux skins que j'ai eu grâce à avec PlayStation, tout simplement. Je les ai téléchargés. Donc avec le skin, j'ai eu la marque bleue, donc qui est son sac à dos, tout simplement. Radio transmetteur, toujours à l'écoute, fait partie de l'ensemble force avancée. Donc ce sac à dos, je l'ai gagné, voilà, durant la saison 4 de Fortnite. Non, durant la saison 5 de Fortnite, si je me trompe pas. Et Tadrouille, c'est un sac à dos, voilà, qui était gratuit, voilà, qui était offert par Fortnite. Il était en durée limitée. Donc voilà, on va le mettre. En pioche, nous avons celle-ci, la seule pioche que j'ai eue, hein, voilà. Donc manette, prenez le contrôle, épique outil de collecte, voilà, franchement, super stylé, je trouve. En planeur, nous avons plusieurs, donc là, c'est le planeur de Bambi que tout le monde connaît, hein. Nous avons... peinture lurée affichée avec style votre victoire royale dans la saison 4. Voilà, donc comme ils disent, j'ai fait un top 1 et donc du coup j'ai gagné ce petit planeur. Ah, sympathique. Lui aussi, c'était mon premier top 1, je crois, dans la saison 5 de Fortnite. Voilà, ah, sympathique, on va pas se cacher. Lui, c'est mon premier parapluie, le fameux parapluie Renew Vainqueur. Voilà, j'ai dû faire un top 1, je pense, ou je sais pas ce que j'ai fait pour avoir ce planeur. Voilà, mais c'est le premier planeur. Sillage bleu comme un éclair qui fend des cieux. Alors ce planeur, je l'ai eu avec ce skin là, je l'ai eu avec chef de l'équipe bleue, je l'ai eu. Et flap flap casque bleu et avec des gros yeux, c'est celui que j'ai eu récemment. D'ailleurs, si vous voulez avoir ce planeur avec la pioche manette et la traînée que je vais vous montrer juste après, il suffit de regarder ma dernière vidéo. À la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de cliquer sur la vidéo pour pouvoir tout simplement avoir le planeur, la pioche et la traînée. Donc en planeur, on va mettre celui-ci, flap flap, on va voir sympa. En traînée, donc j'ai gagné, comme je vous l'ai dit, glitch, rare traînée, ajouter du panaché à votre chute libre. En émote, alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai atypique, émoticône, anniversaire de Fortnite, bus de combat, château cinglé, courbette, lol, rock, salut, danse, victoire royale, toile d'araignée et salut royal. Donc tout ça, bien sûr, je ne l'ai pas acheté, hein. J'ai eu gratuitement. Donc on va mettre le petit top 1, le petit top 1. Après on va mettre anniversaire de Fortnite, allez, on va mettre ça, le bus. Donc ça c'est vraiment une ancienne danse, hein, que tout le monde devrait connaître normalement. Et pour finir, on va mettre le petit tag, voilà, qui fait plaisir. Petit tag des familles. Ensuite nous avons en musique, j'en ai aucune. Et en fond d'écran, j'en ai deux. Calamité, illustration conceptuelle de Calamité. Voilà, et illustration conceptuelle des styles à déverrouiller des nomades. Donc nomade et Calamité, on va mettre nomade, hein. Et puis voilà, putain. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai présenté mon casier de Bambi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à m'excuser à barre des likes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi avoir fait ça? Ça ne sert strictement à rien. Alors, à première vue, oui, ça n'a aucun intérêt que je vous présente mon casier. Mais si je l'ai fait, c'est tout simplement pour vous montrer la différence entre maintenant et dès que la saison 7 arrivera. Parce que dès que la saison 7 arrivera, j'en ferai une vidéo où j'achèterai le pass de combat. Et je ferai une vidéo où je vous présenterai mon casier Fortnite. C'est pour cela que je fais cette vidéo.
En espérant bien sûr qu'elle vous plaise, hein. J'espère vraiment que vous allez lâcher un petit like à cette vidéo, que vous allez vous abonner et puis voilà, que vous allez me suivre dans mon aventure YouTube. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour faire ça. Voilà les potos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à m'excuser par des likes pour cette vidéo. On va dire 10 likes pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. À me dire votre ressenti sur la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu. Si elle vous a pas plu, pourquoi, dites-moi, parce que comme ça je pourrais m'améliorer. Et ça c'est vraiment cool. Et aussi, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en description, Twitter, Instagram, voilà, Discord aussi. Tout est en description, c'est vraiment très important. Sur Instagram, je poste des photos sur mes vacances, sur un post que j'aime, donc ma chaîne YouTube, etc. Les jeux vidéo. Sur Twitter, je poste des sondages, voilà, sur... sur ma chaîne YouTube, je poste des infos sur les vidéos, sur les lives, sur plein de trucs concernant ma chaîne YouTube. J'ai aussi une communauté sur PS4, c'est VoroxFR, chaîne YouTube. Alors ça, je vous le dis à l'oral, donc n'hésitez pas à le marquer, hein. Je sais pas si je le mettrai en description. Et j'ai aussi une communauté sur YouTube. Voilà, donc j'ai commencé à poster des trucs dans la communauté. Je vous ai fait un petit sondage et j'ai remarqué que vous voulez plus voir de Call of Duty Black Ops 4 que de Fortnite. Donc la prochaine fois il y aura sûrement du Black Ops 4 au lieu du Fortnite. Alors bien sûr je ferai une vidéo Fortnite, voilà, pour présenter la boutique d'objets. Mais les deux autres vidéos qu'il y aura, ça sera du Black Ops 4. Voilà les potes, en tout cas j'espère que ces informations vous auront plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'excuser la barre des likes, à vous abonner, à commenter, à partager. Partagez vraiment, c'est vraiment très important. Et puis voilà, le petit like. Et moi je vous dis à la prochaine les potes, portez-vous bien. Et puis voilà, allez, ciao.